Les 3 jours de stage, ça m'a permis de clarifier un petit peu ce que j'allais pouvoir faire, de choisir les bonnes techniques entre qu'est-ce que je sème, qu'est-ce que je bouture, qu'est-ce que je marcotte, pour pouvoir derrière être la plus efficace possible. Et j'aime bien aussi le côté où on va parler du fonctionnement du végétal, mais on va pouvoir comprendre des fonctionnements en les extrapolant à des fonctionnements humains ou à quelque chose de plus global. Et pour moi, c'est bien ça la permaculture. On peut parler d'une technique très précise, mais elle se place dans un contexte plus global de relations entre les êtres vivants. J'ai aussi rencontré des gens. L'idée de partir en stage comme ça 3 jours, c'est aussi de pouvoir vivre quelque chose avec des gens avec qui on partage des choses de toute façon, parce que si on est tous là, c'est qu'on a à la fois des passions et des valeurs en commun. J'ai bien aimé l'approche de Franck, je trouve que c'est très facile d'accès, c'est assez décomplexant. C'est quelqu'un qui a une capacité à transmettre un savoir que j'ai trouvé intéressante. On a vraiment pris le temps d'utiliser un greffoir et d'utiliser ses mains, ce qui est quand même ce qui était intéressant. À la fois on est dans du concept et à la fois on comprend assez précisément parce qu'on ramène des exemples assez précis et puis des parallèles ou des métaphores toujours entre ce qu'on peut constater dans le règne végétal et ce qu'on peut constater dans le règne humain. Je vais gagner du temps parce que ça m'évite de tester tout un tas de choses qui ont déjà été testées ici. Et ça, c'est ce que je venais vraiment chercher, de l'expérience, du concret, pour avancer, pour faire gagner du temps à mon projet. Donc voilà, maintenant l'enjeu, c'est comment je réintègre tout ça dans ma permaculture à moi, sur mon lieu.